Bonjour et bienvenue au Géomordu. Mon nom est Sun Pocky et aujourd'hui, on va parler des Travel Bug et des Géocoins. Alors, qu'est-ce qu'un Travel Bug ou un Géocoin? En fait, on appelle ça en français des objets voyageurs. Alors, le mot est dit, des objets voyageurs, c'est des objets qui voyagent, des objets qui vont faire le tour du monde, mais on va pouvoir les suivre. Alors, on va commencer ça tout de suite. Alors, ceci est le symbole d'un travel bug. On les appelle plus souvent des travel bugs que des objets voyageurs. Sur le site internet, vous allez voir, ils disent objets voyageurs. Mais quand vous allez aller à des événements ou rencontrer d'autres géocacheurs, ils vont tous dire des TB ou des travel bugs. Alors, ceci est le symbole des travel bugs. En arrière du travel bug, il y a un numéro unique. Un numéro qui fait qu'on peut suivre l'objet sur internet. Alors, ceci est un travel bug. Et ceci est un objet accroché après un travel bug. Qu'est-ce qui est accroché après un travel bug? Finalement, c'est n'importe quoi qui est assez petit pour entrer dans une cache. Dans ce cas-ci, c'est un porte-clés d'une poupée russe. Il y en a qui mettent, c'est tout le temps des petits jouets, des objets relativement sans valeur que l'on veut faire voyager à travers le monde. Ensuite, nous avons les géocoins. Les géocoins sont habituellement ronds, mais il y a multiples formes que vous allez voir à travers vos nombreuses aventures. Mais la plupart du temps, ils sont ronds. Eux aussi ont un numéro unique en arrière. Celui-là est relativement petit, mais chacun a un numéro unique. Alors, même chose quand vous arrivez chez vous, vous rentrez le numéro unique sur l'internet et vous allez pouvoir voir tout le cheminement du Géocoin ou du Travel Bug. Combien de kilomètres qu'il a fait, dans combien de caches qu'il a été, qui l'a eu dans ses mains. Tout ça, toute information est là. Maintenant, chaque personne qui émet un Travel Bug ou un Géocoin lui met un but. Un but de c'est quoi c'est, il y a bien de la bestiole aujourd'hui en forêt. Alors, ils mettent un but. Ça peut être d'aller d'un pays en particulier ou de voyager dans le plus de caches possible ou tout simplement de se promener le plus loin possible et peut-être même de revenir à la maison ensuite. Alors, quand vous en trouvez un, c'est important de le loguer. C'est important aussi d'aller le reporter dans un autre cache dans les jours, voire les semaines suivantes. Si vous partez en voyage, vous pouvez écrire un message au propriétaire puis lui dire « Regardez, je m'en vais en France la semaine prochaine. Ça te dérange-tu si je le garde une semaine ou deux? Là, je pars. » Ça me surprendrait qu'ils disent non. Alors, de ne pas les garder, c'est pas pour collectionner. C'est pas à vous. Ces objets-là appartiennent à la personne qui l'a mis dans une cache. Et ce qu'elle veut voir, c'est son travel bug ou son Géocoin voyager. Fait que c'est très important de ne pas les garder. Fait que c'était ça pas mal pour les travel bugs et les Géocoins. Alors, c'était Sun Pocky pour les Géomordus. Bye bye!